toujours dans les bons coups. Il est bon endroit, bon moment. L'air de rien, Muriola Ogunbi poursuit son chemin. Arrivé en 2008, l'international béninois reste l'un des seuls rescapés du titre en Coupe de France. Auteur de 7 buts lors de ses deux premières saisons en Bretagne, celui qui aurait dû être transféré à l'intersaison a déjà doublé son compteur. Son 7ème but en 8 matchs contre Fréjus a même propulsé Guingamp sur le podium. Alors pourquoi a-t-il manqué les premiers matchs cet été? Comment expliquer son rendement actuel? Voici les raisons qui font d'Ogunbi l'homme en forme d'en avant. C'est un joueur un peu atypique parce qu'il est c'est vraiment un joueur dynamique qui a une qualité d'appui et qui est assez imprévisible quand il a le ballon dans les pieds. Après, c'est un joueur qui peut jouer côté, mais c'est pas un joueur de débordement. Il peut jouer côté, il peut jouer un peu plus haut derrière un attaquant. Donc il est assez polyvalent, mais je dirais qu'il a il a vraiment une qualité de passe. Il est assez déroutant parce qu'il cache énormément ce qu'il fait. Et pour ses adversaires, c'est difficile de défendre sur lui. Il a beaucoup de qualité dans la conduite. Il a beaucoup de qualité dans la conduite. Après, il n'a pas de jeu long. C'est vraiment un joueur de petits espaces, de passes redoublées, de jeu court. C'est un joueur de jeu court. Il a une bonne qualité de prise de balle. Après, il lui manque certainement un petit peu sa qualité de jeu long et la perception pour voir un peu plus loin. Il perçoit très très bien ce qui se passe autour de lui, à la fois les adversaires et ses partenaires. Il a un peu plus de mal pour voir un peu plus loin. Oui, je ne vais pas dire c'est parce qu'on est Ligue 2, peut-être on est national. Je pense que l'année dernière, on est... bien attaquant, il est toujours là, mais cette année, je pense que l'attaquant, il est là, mais les coachs, c'est pas la même chose, c'est comme les premiers, les coachs, l'année dernière, c'est pas même jeu. Oui, pour moi, mon avis, toute l'équipe que je joue, je ne parle pas avec les coachs, mais... c'est pas même caractère, c'est pas même attitude, mais pour moi, je pense que cette année, c'est mieux pour l'année passée, parce que le coach aujourd'hui, pour cette année, il sait comment parler avec les joueurs, il sait comment donner les joueurs le courage, et même comme le match n'est pas passé bien, à premier mi-temps, il sait comment parler pour les joueurs motivés, pour venir, quoi. C'est pas même chose, cette année, je pense que c'est mieux, quoi. Le français, ouais. Oui, au début c'est un peu dur, mais je pense avant je suis venu ici, je joue à Tunisie. Les Tunisie parlent le français, c'est là-bas je prends un peu français, mais comme je suis ici, il n'y a pas personne qui parle anglais avec moi. C'est là-bas je commençais pour forcer pour parler avec mon collègue. Je commençais pour parler un peu, quoi. C'est un garçon un petit peu introverti, qu'on n'entend pas beaucoup, qui est très professionnel. En retrait, je pense pas, parce que je pense qu'avec ses partenaires, il est quelqu'un de souriant également. Mon premier année avec les collègues, il y a les collègues manqués, moi, je parle pas bien, mais ils rigolent avec moi là-bas, même je c'est pas méchant avec moi, mais je sais, il y a moi pour parler bien, mais ça va. C'est dur. Ouais. Je pense qu'il percute. Il percute, moi je fais pas attention, je parle en français. Voilà, c'est à lui de faire les efforts. Voilà, après pour s'exprimer, il a parfois quelques difficultés, mais bon, globalement, bon, vu son rendement, je me dis qu'il comprend un petit peu les consignes.
Sur son histoire avec Guingamp cette saison est un peu compliquée parce qu'il a. Moi, quand je suis arrivé, il m'a dit tout de suite qu'il ne voulait pas jouer en national. Bon, j'en ai pris note. Oui, à la fin de l'année, mais je pense pour moi-même, je pense que je vais partir. Mais c'est pas, je pense pour moi seul, parce que c'est pas facile pour changer l'équipe comme ça, mais je pense pour l'équipe même. Parce que je sais, comme je reste jusqu'à faire mon saison, je pense que l'équipe même ne touche rien, je suis libre, je suis parti comme je veux. Tout va. Et puis dans un deuxième temps, il devait partir très tôt à Dubaï, puisque le club qui souhaitait l'accueillir payait un transfert, et puis bon, il manquait plus que le fax de confirmation, qui n'est jamais arrivé. Mais moi, je pense pour moi, je pense pour l'équipe, je pense pour mon carrière, pour comme je pars les fins de l'année dernière, l'équipe même va toucher quelque chose pour plus. Donc j'avais été très clair avec Moury, à partir du moment où tu veux partir, bah tu partiras peut-être. Maintenant, moi j'ai besoin de préparer la saison avec des mecs qui sont à 200% avec le club. Donc tu es professionnel, tu es sous contrat, donc tu t'entraînes avec nous. Par contre, tu ne feras pas les matchs amicaux parce que moi je prépare ma saison. Et ça avait été très clair, voilà, donc il en a pris note. Et est-ce que ça, justement, il l'a vraiment bien pris, enfin, quand vous en avez discuté? Je ne sais pas s'il l'a bien pris ou pas, c'était comme ça, voilà. Pour moi, j'avais une attitude logique pour défendre le club. À partir du moment où le joueur me dit qu'il ne veut pas rester, ben, il ne veut pas rester. Il est sous contrat, donc il s'entraîne avec nous, il s'entraîne de manière très professionnelle. Simplement, quand on faisait les matchs amicaux, ben, il savait qu'il nous accompagnait. Donc, il a toujours été très pro, il a toujours fait le boulot, il a toujours été dans l'esprit. Et fin août, quand plus rien n'est arrivé, je lui ai dit, écoute, moi ce que je t'avais dit, c'est que fin août, si tu étais toujours sous contrat, tu réintégrais le groupe. J'ai tenu parole, il a intégré le groupe pour le match amical contre Lorient, il a fait une mi-temps, il était très bien. Et puis voilà, je me suis dit, c'est une solution de plus, Moury il est bien. Et il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui, il s'est mis dans le collectif, et il n'y a pas eu de souci. Pour moi, comme je suis papa, je suis décidé pour rester, parce qu'il y a un contrat ici, je suis décidé quoi, pour rester avec Guingamp. Moi, j'avais une crainte au début quand il m'a dit qu'il souhaitait pas rester à Guingamp jouer national. C'était que, en restant, qu'on ait un joueur. Sans volonté, à part. Pas sans volonté, mais avec. Un peu centré sur lui. Comme il est un peu introverti, quelqu'un qui fasse son truc de son côté sans se mettre avec les autres. Et je dois avouer que je me suis trompé à ce niveau-là parce qu'il fait preuve de beaucoup d'altruisme. Il a son caractère, voilà. Alors après il communique avec la langue, c'est pas évident pour lui, donc il communique pas énormément, mais je pense qu'il s'entend bien avec ses partenaires et vu ce qu'il donne, il est apprécié, voilà. Après c'est il est peut-être un petit peu effacé, mais encore une fois sur le terrain ça se voit. Merci beaucoup.